Bonjour tout le monde, c'est Mélie, j'espère que vous allez bien, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et comme ça vous louperez aucune des vidéos à venir. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo basée sur le thème de Noël, comme vous avez pu le constater avec le titre. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien Olaf qui court après les petits chatons. Alors, donc comme je vous disais, vidéo de Noël aujourd'hui, vous avez remarqué que j'ai ma petite forêt derrière moi. Alors on a 2 sapins en fait parce que on en a un petit qu'on avait déjà depuis un moment que mon mari avait acheté quand il était encore célibataire. Comme on a déménagé, on est dans une plus grande maison, ce petit sapin me faisait vraiment ridicule et un de mes rêves d'enfant c'était d'avoir un grand sapin, je voulais au moins que ça dépasse 2 mètres. Du coup nous avons acheté un 2,10 m de ce côté là, voilà, chez Action pour pas cher du tout, donc je suis ravie, j'ai enfin mon grand sapin. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo tag de Noël que j'ai vue sur pas mal de chaînes YouTube. Et bah voilà, ça m'a donné envie de le faire vu que c'est parfaitement la période appropriée, hein, logiquement, vu que c'est bientôt Noël, dans 10 jours. Oh my god! Je n'ai toujours pas emballé les cadeaux de mes enfants, c'est une catastrophe. C'est pas grave, on va faire ça juste après la vidéo. En tout cas, si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors, j'ai les questions devant moi, donc on va pouvoir commencer. Je vous propose un petit jeu, boire une gorgée de vin à chaque fois que je dis « génial » ou « j'adore ». Vous allez voir, vous allez finir bourré avant la fin de la vidéo. Et la première, c'est « quel est ton film de Noël préféré ?» Alors, j'ai 2 films de Noël fétiches. Le premier, c'est « Love Actually », que je surkiffe de la mort qui tue. Est-ce qu'il est génial ce film ou il est génial? Non, mais j'adore. Tous les acteurs sont géniaux. J'ai une grosse pensée pour Alan Rickman, paix à son âme, qui est dans ce film et je l'ai encore vu le 1er décembre, vous voyez, le 1er décembre j'ai regardé avec mon mari et quand j'ai vu l'acteur, pour ceux qui ne situent pas, c'est celui qui joue Rogue, entre autres évidemment, dans Harry Potter. Mais voilà, grosse émotion, en tout cas j'aime toutes les histoires dans ce film, ça respire Noël, ça respire le bonheur, enfin j'adore. Et le deuxième film fétiche, ce serait The Holiday, comme je pense beaucoup d'entre vous. J'ai cru comprendre en regardant les tags ou les 10 films de Noël que j'aime bien, etc. Que dire, ce film est génial si vous ne l'avez pas vu, mais allez le voir. Déjà, tous les acteurs, pareil, là, sont vraiment géniaux. Il y a Kate Winslet dedans, qui est une de mes actrices fétiches. Je l'adore. C'est l'histoire de 4 personnes, donc 2 filles qui vont switcher leur maison pendant la période des fêtes. L'une pour échapper, les deux d'ailleurs, les deux pour échapper à un ex. Donc celle d'Angleterre va aller à Los Angeles, si je me souviens bien, et celle qui était à Los Angeles va aller en Angleterre. Et là, les deux vont rencontrer l'amour. Ça semble cucu comme ça, mais franchement c'est génial, à regarder. Et après, si je devais choisir un film qui vraiment parle que de Noël, entre guillemets, ce serait The Christmas Carol, qui est en forme de dessin animé avec Jim Carrey. Vraiment super, c'est un conte très classique de Noël et je trouve que le travail de l'acteur dans ce film-là est génial. On reconnaît très très bien l'acteur parce que c'est, je pense qu'ils ont mis des capteurs pareils sur son visage pour faire les dessins ou les animations et c'est génial. Voilà, c'était mes films de Noël. Ensuite, as-tu des traditions de Noël ? Je pense que oui, déjà le premier dimanche de l'Avent, on met le sapin de Noël et on installe la crèche, que je vous montrerai d'ailleurs dans une de mes vidéos parce que là c'est mon mari qui l'a faite, peut-être que je vous montrerai dans celle-là, je verrai, mais elle est absolument magnifique. Donc on fait ça le 1er décembre, enfin 1er dimanche de l'Avent, on met les musiques de Noël, le CD voilà, qui tourne, les CD même, parce que j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que tu fais, Darcy? Viens là. Viens. Ah, Darcy. Tu veux voir ma main? Ensuite, question suivante. Bonbon de Noël préféré. Alors en soi, le mot bonbon au sens propre du terme, je n'aime pas les bonbons. Par contre,
chocolat, ce que je distingue, ce qui n'est pas la même chose pour moi, là oui. J'aime bien les mélanges de chocolat qu'ils font pour Noël, mais sinon j'aime bien les Pyrénéens de Lindt à cette période de l'année-là. Une bougie parfumée de l'hiver. J'en ai pas forcément une, j'aime bien les odeurs qui sentent le pain d'épices ou alors quelque chose un petit peu plus sucré comme Christmas cookie ou ce genre de d'odeur. Gants ou moufles? Ah non, pas moufles. Moufles, c'est quand j'étais petite, ça. Des gants. Souvenir de Noël préféré. Je pense que c'était le premier Noël de mon fils, donc de mon aîné. Quand j'ai déballé les cadeaux avec lui et de me dire « Mon Dieu, j'ai un enfant, il est en train d'ouvrir des cadeaux de Noël. » Franchement, c'était émouvant quoi, de voir qu'entre guillemets, le flambeau passe, même si j'adore recevoir des cadeaux, hein, ça j'adore. Mais je sais pas, de me dire que là, waouh, c'était un de mes enfants quoi, qui recevait des cadeaux, ça, je trouve ça émouvant. Est-ce que je reste en pyjama ou je me prépare le matin de Noël? En général, je me prépare. On s'est toujours, il me semble, plus ou moins préparé à la maison, même quand j'étais chez mes parents. Alors? Mais en général, oui, je m'habille. Parce que tout le monde s'habille en fait dans la maison, comme en général on fait en famille et tout le monde s'habille, donc je m'habille. Ma chanson de Noël préférée, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup Minuit Chrétien, avec une belle voix grave là, à chaque fois ça me donne de gros frissons, et puis en plus c'est la chanson préférée de ma mère, donc voilà, cette émotion. Et j'aime bien aussi Ce Nuit. Quelle est la personne sur ta liste sur laquelle il est le plus difficile de faire du shopping pour Noël? Franchement, personne. Disons que je me creuse toujours un peu les méninges pour être sûre que le cadeau va plaire, etc. Mais en soi, je pense que j'arrive assez bien à avoir, à faire un cadeau qui touche à peu près dans le mille. En tout cas, si j'ai vraiment pas d'idée, je fais une jolie carte avec un bon pour, et voilà, une idée globale ou pour au moins offrir quelque chose, et du coup ce sera voilà, dans le futur, elle va pouvoir utiliser cette carte là. Lait de poule ou chocolat chaud? Est-ce vraiment une question? Chocolat chaud, évidemment. C'est... En plus, mon mari adore ça. Non, non, c'est évident. Le cadeau le plus bizarre que j'ai jamais reçu? Ben, non, j'ai de la chance. J'ai jamais reçu de choses bizarres. Contrairement à... j'ai vu la dernière fois une vidéo de Tite Caro, je pense que vous la connaissez tous, qui disait qu'elle avait reçu un parfum déjà utilisé. Non, mais... J'ai halluciné quand elle a dit ça. Je sais, non mais il y a quand même des gens, c'est bizarre. Mais non, moi j'ai rien vu de bizarre. Est-ce que je prends des résolutions de nouvelle année et est-ce que je les tiens? J'en prends toujours. Je les tiens pas forcément. Cette année, on croise les doigts, on va faire en sorte que ça change. J'ai plusieurs idées qui me viennent en tête, que là il faut absolument que je tienne. Hein, parce que là, sinon ça le fait pas. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Plein de choses. Ouh là là, il n'y a pas qu'une chose dans ma liste de Noël. Hein. Tout en haut, comme pour ce Noël-ci, avec mon mari, on aimerait s'acheter une caméra, comme je l'ai déjà dit, il me semble, dans une des vidéos. Un appareil photo, un Canon. Donc déjà, voilà, ça va être notre cadeau commun. Mais sinon, si je pouvais en avoir plusieurs, ce serait du make-up. Beaucoup de make-up. Et puis des fringues, je pense, de jolies robes, etc. Et puis... Ma chérie, oh, come on, sweetie. Come on, sweetie. I'm coming. Et sinon, des boucles d'oreilles, ça fait toujours plaisir. Est-ce que mon sapin est vrai ou faux? Faux, comme dirait un certain youtubeur. Faux, parce que sinon, ça met des aiguilles partout. C'est une catastrophe. Est-ce que j'achète des cadeaux à l'avance ou à la dernière minute? Ça dépend. Franchement, cette année, avec mon mari, on s'est trop bien débrouillé. Tout est acheté, il n'y a plus qu'à emballer, comme je disais au début de la vidéo. Mais sinon, tout est fait. Est-ce que là où je vis, je passe Noël sous la neige? Pas du tout. Non, je ne passe pas Noël sous la neige. Non, 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 j'habite en Vendée, comme j'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Donc, voilà. Il fait... Bon, je peux dire qu'il fait beau, mais il n'y a pas de neige, quoi.
Voilà, le tag s'arrête ici. Franchement, c'était super de répondre à toutes ces questions. Je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. Et puis, comme je vous le disais, ça va venir vitesse grand V. Là, il reste 10 jours. C'est rien du tout, quoi. C'est super. C'est super. D'ailleurs, moi, j'adore Noël. C'est vraiment une de mes fêtes préférées. Ce que j'aime bien, c'est... On est tous ensemble en famille, on mange bien, c'est important. Et puis c'est vraiment l'idée de partage, de faire plaisir. Et puis c'est vraiment une fête pleine de joie, pleine d'espérance. Donc vraiment, j'adore. J'adore Noël. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vais revenir très vite dans une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de votre soutien. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Olaf ! Laisse-les tranquilles. Ici ! Ici ! Assis ! Têtu comme une bourrique. Bref. Pas du tout, du tout. Olaf! C'est dingue ça! Ah oui, c'est pas la peine de faire des bisous, hein. Moi je suis sorry là. Non, 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 non. Assis! Assis! Allez! Excusez-moi. Donc chocolat chaud. Évident, chocolat chaud, j'adore ça. Génial, génial, génial.